La sixième parole de Jésus avant sa mort. Tout est accompli. Il est écrit que quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ces trois mots font partie des dernières paroles que Jésus a prononcées avant de mourir. Tout est accompli. Des paroles profondes. Solennel, cet homme, ce Dieu cloué sur la croix, cet innocent qui nous a créés, qui nous a aimés, qui a permis notre existence, est dépeint ici, agonisant et mourant. Le seul qui mérite le respect le plus complet de tous, le seul qui mérite d'être honoré au-dessus de tous, est suspendu sur ce bois, humilié. Souffrant, mourant. Et ce qu'il dit dans ces circonstances, c'est tout est accompli. En d'autres mots, les conditions ont été remplies. Le cas est clos. La dette a été entièrement payée. Oui, tout est payé. Pourquoi est-ce que je dis que la dette est payée? Ces mots qui sont ici traduits par « tout est accompli » trouvent leur origine dans la culture gréco-romaine de l'époque. L'expression « tout est accompli » se trouve à être un seul et même mot grec, « tétélestai ». Puis, ce mot était utilisé de plusieurs manières dans cette culture de l'époque, soit pour dire qu'une chose est complétée, finie ou accomplie, mais le mot apparaissait aussi sur les documents officiels romains de l'époque, des documents d'impôts et de taxes. Lorsque les gens payaient le gouvernement et que leur solde était à zéro, un mot était estampé, tétélestai, tout est payé. En d'autres mots, vous recevez votre avis de cotisation du gouvernement et le solde est à zéro. La dette est payée. Mais de quelle dette est-ce qu'on parle ici? La dette en question n'est pas une dette monétaire. La Bible parle que nous sommes endettés devant Dieu à cause de nos péchés. La dette, ce sont nos mauvaises actions, notre égoïsme, nos convoitises, nos mensonges, nos tromperies et ainsi de suite qui la constituent. Cette dette, c'est une accumulation en fait d'une dette importante, celle de notre injustice. Jésus est en train de dire ici, la dette de votre injustice, la dette de vos péchés est payée entièrement. Comment est-ce que cette dette a été payée? Comment est-ce qu'une personne peut se présenter devant Dieu et être déclarée juste? Est-ce que cette personne-là est considérée comme étant juste, comme sa dette étant payée parce qu'elle n'a rien fait de trop grave? Est-ce que c'est parce que cette personne-là s'est rachetée avec des bonnes actions ou de la religion? Non. Non. On ne peut pas compenser nos mauvaises actions par des bonnes actions. De la même manière qu'un dirigeant de pays qui a grandement fait avancer sa nation pendant plusieurs années, s'il est découvert coupable de fraude, il va devoir aller en prison. De la même manière, si nous on commet des mauvaises actions, ces mauvaises actions-là ne seront pas ignorées devant Dieu parce qu'on a fait des bonnes actions. De la même manière que vous, si quelqu'un vous vole votre voiture, vous allez exiger une restitution, même si on découvre que cette personne-là est en fait un bénévole dans une orphelinat. Vous allez vouloir récupérer votre voiture, vous allez vouloir que justice soit faite. Mais de la même manière, nos bonnes actions ne compenseront pas nos mauvaises actions devant Dieu. Non. Malheureusement, on ne peut pas devenir juste par nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce que Jésus, sur cette croix, s'est exprimé en disant « La dette est payée ». Qui a payé cette dette? Comment? La dette a été payée
par Jésus lui-même, à ce moment précis sur la croix. Oui, Jésus, le seul qui a commis aucun péché, a payé la dette pour nous. Dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, on parle d'un sauveur qui est annoncé et promis. Ce sauveur, qui dans la Bible est appelé le Messie, est en fait, en réalité, Jésus. C'est lui qui a accompli toutes les conditions qui étaient nécessaires pour être considéré comme étant le Messie qui allait sauver l'humanité. Alors, dans le livre d'Ésaïe, il est dit de lui, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, Dieu, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Jésus, sur cette croix, agonisant, souffrant, était en train de souffrir pour nous. Il subissait la condamnation que nous méritions tous, que nous méritons encore. La condamnation que tu mérites et la condamnation que je mérite. Il porte nos souffrances, nos péchés. Il porte nos mauvaises actions, notre égoïsme, nos convoitises, nos mensonges, nos tromperies, et ainsi de suite. Jésus a été condamné pour tout ça, pour toutes nos injustices, pour chacune de nos fautes. J'aurais pu parler de plusieurs autres aspects de l'expression « tout est accompli », comme par exemple comment Jésus était le seul qui pouvait nous racheter et qui accomplit tous les signes qui nous permettaient de le reconnaître comme sauveur. Ou encore, qu'est-ce que sa mort accomplissait dans le plan de Dieu depuis la création du monde jusqu'à la fin de notre monde. Mais j'ai choisi de mettre l'emphase sur cette dette qui a été payée pour nous. Car oui, la dette a été entièrement payée par Jésus. Tout est accompli. Tout a été payé. Il ne nous suffit que d'accepter ce cadeau et d'agir en conséquence.